bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve exactement là où nous nous sommes laissés, évidemment la dernière fois, avec l'épisode 8 et Monsieur Dark Funeral 972 toujours, avec ses belles lunettes de ski parce que bah, il les aime, ses lunettes de ski, c'est son aérodynamisme qui parle à travers. Comment il va celui-ci? Eh ben celui-ci va bien, écoutez Monsieur B-Boy, c'est mon let's play de... c'est mon cosplay de Obito. c'est aussi ton let's play, il y a aussi une part voilà. De ton let's play. Et voilà, c'est parce qu'il y a de l'air, c'est pour éviter de me mettre des gouttes dans les yeux, je suis un peu Obito, tu vois. Et vous, est-ce que vous allez bien? Ça va très bien, et tu nous avais laissé sur un giga cliffhanger. Je pense que les gens ne seront pas déçus de ce cliffhanger. Exactement. Donc, c'est à toi, évidemment. Penses-tu que nous allons faire? Révélation, les amis. Déjà, petit pouce bleu, si vous voulez savoir tout de suite. Et je pense qu'il va falloir choisir entre lui et les militaires. Enfin. Parce que vu comment ils parlent, les militaires ils disent « Le bazar c'est nos ennemis, on va leur rouler dessus si jamais il y a embrouille. » Et le mec du bazar il fait « Ne t'approche pas des pacificateurs, on les déteste. » Tu penses qu'il y a un système de choix de faction? Bah, d'après les teasings du jeu et les fameuses 500 heures pour voir toutes les fins possibles avec tous les embranchements, je pense qu'on peut se faire allié et ennemi. Et après la question c'est est-ce qu'il y a une troisième faction, une quatrième? Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je sais pas. On verra. En attendant, on va parler à la petite Sophie qui a l'air fort adorable. Oh, lui, il est pas content. Ne fais pas de mal, Herman. Laisse-le parler. Il est asthmatique, non, monsieur. Je m'appelle. Aiden, c'est toi le pèlerin qui est arrivé en ville récemment. T'es bien renseigné, on dirait. J'ai pas vraiment le choix. Je suis responsable de la sécurité ici. D'ailleurs, t'as fait une belle entrée hier. Je cherche du travail. T'aurais rien pour moi? On dit que tu sais te rendre utile. Mais je préfère m'en assurer. Pourquoi pas une petite course pour commencer? Qu'est-ce que tu proposes? Va voir un des maîtres artisans, Alberto ou Vincenzo. Ils connaissent tous les deux l'emplacement des cristaux les plus purs. J'en ai besoin pour... une certaine transaction. Quel genre de transaction? Une certaine transaction? Y a un truc que je devrais savoir? La curiosité est la première étape sur la route de l'enfer, c'est ce que dit Karl. Et t'y crois? Je crois qu'il faut pas faire confiance aux étrangers. Et c'est ce que tu es, jusqu'à présent du moins. Trouve-moi d'abord la localisation des cristaux. On verra ensuite ce qu'on pourra faire. Neuf et la meuf un peu. Hop, c'est quoi on ce truc chiant aussi. Avec les cristaux? Ils sont le résultat des bombardements chimiques sur la ville. Une sorte de dérivé. Les gens croient que l'infection se propage moins vite quand on les porte. Franchement, je crois pas. Mais ça coûte rien d'essayer. C'est pour ça que vous y attachez autant d'importance. Entre autres choses, oui. Ils sont durs à trouver, durs à détruire et faciles à aimer. Parce qu'ils sont si jolis, non? Mais plus important, ils sont bien réels. Bien plus qu'un bout de papier de vieille monnaie. C'est pour ça qu'ils sont si chers. Bien, je vais aller parler à l'un de ces maîtres artisans. Il devrait être au bazar. Assure, et on pourra réfléchir à te donner des missions plus importantes. Très intéressant. D'ailleurs... Elle a rétréci, hein. Le tour qui a fini, elle a perdu 30 cm. Oui, tu disais? Profitons-en pendant qu'on va au bazar pour acheter quelques plans, monsieur. Et revendre. Bien sûr. Je vous ouvre la porte. Alors ici, il va falloir parler parce qu'il y a une musique sous DMC. Hein. Ça me rapporte zéro thune, ces conneries. Il est embarré vers l'au-delà. Bah attends, en plus notre quête est là, c'est incroyable. Alors, on échange avec le man derrière déjà. Voilà. Oh, il a des beaux trucs à vendre, hein, le ref. Hein. Moi, j'ai vendu caca. Mais attends, mais j'ai rien, moi, à vendre, je suis flingué. Attends. Alors, si je peux proposer quelque chose... Vas-y, bien sûr. N'achetons pas d'équipement à proprement parler. Pensez pas à Worth, ça coûte cher. Ouais, que des... Mieux vaut acheter des composants de craft. À la limite, un inhalateur, peut-être, non? Au cas où, pour toujours en avoir un de côté. Oh, bah attends. Oui, par contre, un inhalateur, oui. Je suis d'accord. Barre du V, what? Objet à lancer unique. On peut lancer une barre du V, gros. Tu sais, c'est ce qui reste à terre qui... Oui, qui les aveugle et qui, malgré ça, ils m'ont sauté dessus dans une lettre. Ah, je m'en souviendrai toujours, cette barre. Amélioré avec des objets... Ah, mais t'es pas au même personnage. Un atelier... Oh, j'ai amélioré mes soins, je vais faire des soins un peu plus efficaces, gros. J'avoue que ça, c'est pas des... Ah, même les crochets? Ouais.
J'ai amélioré ça aussi. Il va falloir qu'on tue un petit peu plus de monde. Est-ce qu'il y a des petits plans flambés, venin ? Ah, je crois que je vais acheter. Hein. Où c'est ? Ouais, tout en bas, flambé. Dans acheter. Modification d'armes. Alors, tu prends quoi, toi, Bichette ? Je prends les 4. Pardon ? Ok, bah enfin, les quoi, 4, je vais prendre flambé, moi. Fais attention aux armes spéciaux. Oui, un atelier. Alors, il y a la poignée aussi, putain, c'est incroyable. Comment craft okay. Je... Alors, tu vas sur ton arme. Ah, toutes les armes ne sont pas modifiables. Tu vas sur ton arme, tu me fais modifier. Ouais. Ah bah non, toutes tes armes ne sont pas modifiables. Il y a une petite capsule qui te dit combien de trucs tu peux modifier. Attends, ah ouais, il en va falloir un max de ferraille. Hein. Pour ouais. Ah ouais, mais moi c'est des câbles par exemple. Ouais, je vais péter un câble. Allez go, de toute façon on doit lui parler. Hop. Regarde, ah, j'ai la banque la meilleure. Oui. Fais un mètre devant. Un mètre devant. Parfait. Ça va me coûter cher encore cette histoire de musique en fond. Sophie m'envoie. Elle dit que tu sais où est-ce que je peux trouver des cristaux. Ouais, mais il n'y a plus du tout de musique, c'est plus la même ambiance. Je préfère sacrifier les revenus, je suis comme ça. Ils ont déjà envoyé un de leurs... Pencu ? Qui ça ? Ce garçon... Le frère de Sophie. Et c'était quoi le nom de ce Trauduc ? Barney. Le nom du Trauduc, c'est Barney. Et il a posé la même question, à propos d'une zone sombre avec des cristaux. C'est une nouvelle pour moi. Alors, où est cette zone sombre ? 120... Papa, je peux lui dire ? Ah, je t'en prie. À 100 mètres du métro, il y a un grand panneau, Fashion Store, et un moulin à vent, de l'autre côté de la rue. Merci. Tu sais ce que ça veut dire, le moulin à vent, hein ? Ouais, j'étais plus intéressé par le moulin que par le métro, hein. Ouais, moi aussi, je t'en... le moulin à vent, je voudrais très bien, Avec le moulin, on peut faire plein de choses. Déjà, c'est une nouvelle zone UV. Et on adore les UV. Et on adore les UV. Bah, regarde Trump, il esquive les zombies depuis moult années grâce aux UV, donc... Ouais, ça se voit, sa peau orange, là, que tout le monde a envie d'avoir. C'est un UV à lui tout seul, le man. Alors ? Je te jure. Tu t'approches de lui, gros, t'es régénéré et tout. Alors ? Tu sais où ils sont ? Je sais où c'est, mais il paraît que ton frère a déjà posé la question. Herman, vérifie si Barney a branché sa radio. Il parle ? Ouais. Ah non, il parle pas. Ouais. Barney ? Tu sais que c'est la grosse brute qui est adorable. C'est un peu le Dwayne Johnson, Barney. Tu vois, du... Exact. Merde. Voilà pourquoi il est injoignable. Il cherche les cristaux de son côté. C'est pas une bonne chose. En mettant encore des bâtons dans les roues. Ah. C'est pas la première fois, je suppose. Non. Il essaie toujours de faire ses preuves. La dernière fois, il a été blessé. C'était il y a pas si longtemps non plus. Sale petit con. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Je peux m'en occuper si vous voulez. Comment Barney a été blessé ? Il n'a pas voulu me le dire. À mon avis, les pacificateurs l'ont eu. Ton frère vous cache des choses ? Écoute, c'est pas tes oignons. Barney, réponds-moi ! Putain de merde ! S'il est allé dans une zone sombre dans son état, il est foutu. Je peux essayer de le trouver ? Toi ? J'ai déjà été dans une zone sombre, dans l'hôpital du GRE. L'hôpital Saint-Joseph ? Oh non. Tu sais sérieux, ce que ça veut dire ? Si tu le sauves, ce sera encore pire. Tu le regretteras pas. Bah, on va faire comme l'hôpital. Barney va séance probablement où on va devoir avancer à croupier et c'est du éviter, suicide de se balader dans une zone sombre de jour. Oh là, ah, sauf si on y va de nuit. Bah non, mais même de nuit, gros. Bah non, puisque de nuit, ça reste ceux qui se cachent dedans, ils sortent. Non, ça reste une zone sombre. Il y aura quand même les dormeurs. En fait, la nuit, ils dorment aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ne peuvent pas sortir, tu sais, les trucs qui crachent, les hurleurs et tout, là. Ouais. Et ben la nuit, ils sont dedans. Ils sont dehors. Et le jour, ils sont dedans. Donc si on y va de nuit, je pense que la moitié des ennemis seront pas là. Je viens de découvrir une touche. Laquelle ? Triangle. Reste appuyé sur triangle. Oh, et puis quand tu cours, ça regarde derrière toi. T'as vu ? Oh. Oh, découvrir ça au 9e épisode, quel excellent bonheur. Excellent. Allez, go. Vivu. En vrai, attends, zone d'ombre.
Non, mais hop, brisage de nuque direct, rien à péter. Elle l'a dit, elle est dans une zone sombre. La journée, it's suicide. C'est ce qu'elle a dit là, elle vient de le dire. Ouais, elle l'a dit dans le dialogue. Et bah, on va tuer du monde le temps que la nuit. Ah, ah, que se passe-t-il? La nuit tombe. Hop. Oh bah voilà, j'ai brisé la nuque. J'ai cligné des yeux, c'est un brisage de nuque. Hop, y a du tissu. Je sais pas c'est pour faire quoi, mais je pense que ce sera pour crafter des trucs. Ça. Mais attends, c'est beaucoup trop vide à mon goût. Ok. Oh, regarde, regarde là ce qui se passe. Y'a un gros balèze. Où ça? Y'a un mec qui fait du taekwondo. Laisse-le. C'est pas une aide, on nous a pas demandé notre aide. C'est vrai. Donc je pense que ça va être un méchant. Info? Ben... Il est en train de les tuer. Ok, parfait. En tout cas, je pense qu'on peut se rapprocher de là-bas parce que tu te rappelles ce qu'il y avait, un moulin. Attends, parce que je veux le tuer le mec, hein, en vrai, non? On attend qu'il les tue tous pour nous. Attends, est-ce qu'il est gentil? Oh, il est gentil, il m'aggro pas. Ah ouais? Ouais, c'est un gentil. Un frère? Mais fouille tout, hein, regarde, hein. Ferraille gratos et tout, là, hein. Ah oui, j'avoue. Bah oui, hein. Oh, le pauvre. Oh, de l'argent et tout. Par contre, c'est une machine de guerre. Il s'arrête jamais, il est jamais épuisé, le mec. Ouais, il a pas de choses d'endurance, c'est pas comme nous, hein. Je lui fais dépasser tout. Allez, go. Lui, il est déjà niveau max et tout. Allez, on y va. Il a chopé tous les trucs d'adrénaline, là. Alors, attends. Là, zone d'ombre. Hop, brisage de nuque, c'est fait. Ok, là, je vais fouiller. Attends, il y a d'autres zombies. Encore deux. Là, brisage de nuque. Qui, Lola? Très bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une Lola qui parle, qui chante. Ouais. J'adore les chanteuses. Là, il y a des armoires. Cigarettes. Câble. Okay. Ah bah tiens, c'est pas toi qui voulais un câble? Si. Hop, et là... Tout est vide. J'ai l'impression que les cadavres, par contre, il n'y a pas deux fois le loot, tu vois ce que je veux dire? Bah moi, ils sont tous vides. Ah, bon bah ils sont tous vides aussi pour toi. C'est que c'est ok. Vas-y, viens, on monte. Ouais, bah je vois pas où est Lola. T'as essayé de faire la reconnaissance, là? Ta zone d'instinct de survie de mes couilles? Ma zone d'instinct de survie, oui. J'ai rien vu. Ah, là à droite! De quoi? Y'a quoi? Du miel! Champotte! Champotte gratos! Et là y'a du miel! C'est pour faire les soins! Parfait! On va pouvoir refaire une arme, des soins! Des champotes! Oh, mais c'est un régal! Ah, mais oui, mais de toute façon, c'est ce qu'il nous avait dit! Faut toujours regarder les toits parce que les autres laissent des trucs pour ceux de derrière, tu vois! Ouais, et en fait, le miel, c'est pour faire ben. Là y'a la lavande et tout là! Y'a un bail, c'est sûr! Tiens, regarde, Bichette. Oh, pas d'inhibiteur, mais il y a du violet là. Dont un booster d'immunité et un chapeau. Oh, moi j'ai des lunettes encore. Des lunettes. Je sais pas ce qu'ils ont avec les lunettes, hein, ils forcent. Hein. Ouais, mais attends, si c'est peut-être moins arrivé. Non. Hop, mort. Je suis toujours aussi horrible. Il y a un bail. Ah, mais non, mais c'est mon arme qui fait du feu. Ok, fouille tout, t'es toujours aussi dégueu? Ouais. Hop. Bonjour. On va redescendre, là il y a un bail. Tu vois, en fait, il y a des trucs du GRE pas dégueu. Par contre, je suis deg, on est quand même. Attends. Veuillez mourir, monsieur le zombie. Hop, brisage de nuque. Ah, okay. Y a de l'alcool, du fromage. Ah non, c'est du miel. Nice, il y a du miel au frigo. Y a des bails ici. Cher Fufu. Je descends. Hop, attends, cours pas comme ça, t'as encore des zombies partout. Ah bon? Ah oui, là. Ah oui. Hop là. N'hésite pas à appuyer sur R3. Le couteau à la gorge. Ok. De toute façon, on commence, c'est quelle heure il est? Putain, il est 11h. En bas à droite. On est dans la merde. Ça va, ça passe vite. Je crois que c'est une minute toutes les 3 secondes. Oh bah one shot.
non, c'est juste que ça approc. Ok. Parfait. On y va, monsieur. Tout est en règle. Alors. Bah attends, mais c'est la boutique qu'on a vidée, non? Bah je crois, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, si, ah si. Non, c'est pas du tout la boutique qu'on a vidée. Ah, mais on l'a déjà déverrouillé celui-là. Barre-toi en arrière. Bah attends, je suis pas là. J'ai okay. essayé de ne rentre pas dedans, ne rentre pas dedans. Est-ce qu'on a un lit là pour faire passer plus vite la nuit là? Juste au-dessus, je crois. Bah là, il y a le moulin, on l'avait déjà activé celui-là. Vas-y, on y va. On se rejoint en haut. En espérant qu'on puisse. Ok. Qu'on puisse y dormir. Parce que j'ai l'impression que les moulins on peut pas. Ah oui, si, les moulins on peut. Attends. Qui c'est qui hurle? J'y suis. Oh putain, il y a des soldats qu'on peut tuer. Ah oui, t'es pas là où je pensais. Ok, j'arrive. Oh non, là, ils abusent. J'arrive. Hop. J'ai encore un petit peu de mal avec le parcours, hein. Faut s'y faire, mais... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah c'est pas facile à prendre en main au début, en fait, c'est... Mais il faut suivre ce qui est jaune. Moi, quand je vois du jaune, je saute dessus. Ok. Donc là, t'es devant le lit? Ouais, je suis devant, là. Eh ben, vas-y. Attends, est-ce que c'est le bon lit? On est pas dans le bon lit. C'est peut-être moi qui suis pas dans le bon lit. Je me déplace ou tu te déplaces? Je me déplace. C'est toi qui es dans le bon lit. Allez, viens. Bon, de toute façon, c'est un lit pour deux, hein. Ouais. Tu dors au-dessus ou en dessous cette fois-ci? Là où tu préfères. J'aime les deux. Parfait, alors. Alors, on est parti. Un feu de camp. Oh putain, mais il y a un vendeur à la sauvette ici. Ah bah cool, attends, vous vendez quoi, monsieur? Il vend quelque chose de bien ou pas? Il vend... Je regarde les ressources qu'il vend. Oh, il vend de la ferraille, je lui achète tout. Tout acheter. Les câbles et tout, je pense que ça c'est tellement important. Je crois avoir fait une gravera. Non, c'est bon. Ok. D'ailleurs, attends, il faut que je vais crafter des soins. Attends, parce que moi je suis déjà dans la boutique, hein, frérot. Oh putain, mais j'ai pas de camomille. Je suis déjà dans la boutique. Attends, j'arrive. Bon, vas-y, hein, je leur brise tous la nuque en attendant. Je leur brise tous la nuque. Attends, mais c'est dans la boutique qu'il faut aller? Ouais. Chercher Barney de nuit. Bah, on va le chercher. Sophie, ouais. Barney, rentrez. Je suis à l'intérieur, toujours aucun signe de Barney. Tu dois le trouver. Il doit bien être quelque part là-dedans. Toi? Je vais voir ça. Attends, la porte. Oh, c'est la galère ici, en fait. Ouais. Ah, putain. T'as vu, en fait, les planques? Faut fouiller les cristaux, je sais pas quoi, là. Ok. Ah, ouais. Il faut fouiller le caca, là. Qu'est-ce que c'est? Attends, c'est quoi ces conneries? Genre, Barney, il peut être dedans? Oh, trop bien, prends. On se croirait dans Minecraft. Ouais. Oh non, c'est pas Barney, ça. Sinon, il est mort, le ref. Hein. Ah, c'est Barney. Non, tu crois? Bah, l'objectif est sur lui. Ouais, mais non. Je pense que c'est une feinte, ça peut pas être Barney. Il est beaucoup trop moche pour que ça soit Barney. Barney. Ah, c'est lui. Non, attends. Au rapport, bordel. Ils sont qui? Sophie, c'est Hayden. J'ai trouvé une radio. Et le cadavre d'un homme. Un homme blanc et chauve. Je suis désolé, Sophie. Barney. Tiens, tu vois? C'est Kojak. Ah, il était bah, oh. Ils étaient ensemble. Barney doit pas être bien loin. On est la salope du groupe. Délire. Et pourquoi il regarde le sol quand il se retourne? Ok, certaines informations ne sont pas visibles à l'œil nu pour les découvrir. Vous devez utiliser la fonction enquête. Attends, les gars, on est dans quoi, là? Oh là, ça me rappelle quel jeu, ça? Batman. Ouais, et il n'y a pas aussi Horizon? Il faisait pas ça dans Horizon? Je me souviens plus, fallait que je suivre des premières traces avec notre outil. The Witcher aussi. Ah, en fait, The Witcher, tu dois follow aussi. Dans tous les jeux, quoi. Exact. Hop, brise des nuques, hein. Ça fait... Attends, je ne filais pas. Sophie, j'ai trouvé des traces de sang. Elles sont fraîches. Ah, vas-y, suis. Je suis. Je reniche quelque chose par là. C'est le mec, il fait le chien policier et tout.
Tu fais bien le cochon. Ah le gouet. Ouais ça, je préfère être un cochon policier, tu vois. Oh, je suis par là. Ouh. Ok. Aïe 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 aïe, monsieur B-Boy, il y a un bruit. Il y a un gros lever de boue. Ah ouais. Attends, prends des champignons UV avant de faire quoi que ce soit. J'arrive. Mets-toi à bloc parce que si on se bat, ça sent pas bon cette histoire. Là je me bats. Pardon. Décapitation. J'arrive. Yo, c'est beau quoi? Ouais. Ah mais tu l'as tué, c'était lui le méchant. Oui, mais t'es réveillé. Là regarde, fouille un peu cette poubelle. Voilà, de la ferraille bichette. T'as trouvé quelque chose toi dedans? Dans la poubelle? Ouais. La ferraille aussi. Eh ben nickel, donc c'est bon, on a le même loot, enfin on a les loot à peu près approximatifs. Yes. Pour... Et putain, et maintenant qu'est-ce que je fais? Barney, et toi? T'es qui putain? Sophie m'envoie. C'est ça, et moi je suis un général des pacificateurs. Qui que tu sois, dégage! Ces cristaux sont à nous, t'as pigé, qui te fera pas? Barney, ouvre! Va te faire foutre. Sophie, j'ai trouvé Barney, mais il s'est enfermé dans une pièce. Il est en vie. Bien. Cet enfant est têtu. Essaie de lui parler. Au pire, on va dans le toki. Barney ! Retourne d'où tu viens ! Dis-moi ce qu'on choisit. À toi de choisir un peu. Bon, arrête de jouer les durs. Tu la racontes un peu, quand même. Peu importe ce que tu cherches à prouver, t'as pas l'air si dur que ça. Toi, tu ressembles à un de ces joyeux roquets. Va te faire foutre et laisse-moi faire ce que je dois faire. Un joyeux roquet. Barney, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Dégage, t'auras rien de moi. Putain de merde. Bon, la manière forte, hein. Ton choix n'était pas le meilleur. Super. Bon, je pense qu'on était foutus dans tous les cas. Mais pourquoi on n'a pas passé le toki sous la porte? Ou en mode rapproche-toi de la porte et écoute, c'est ta sœur. Est-ce que t'es prêt? Je suis prêt. Allez, t'as passage en règle, hein. En règle. Toujours. Voilà, oublie pas que tu peux te protéger avec L1 et que tu... Oh bah, j'allume le feu si ça te dérange pas. Bah je voyais rien, ça tombe bien. Hop, hop, on fouille un peu. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Comment on met un coup de pied? Tu fais L1 et R2 en même temps. En gros, tu te protèges et tu tapes. Ok. Et oups, ça shoot. Oh non. Oh la vache, il est mort. Attends. Et ben voilà. Bon, allez, il va arrêter de faire sa langue de... Mais genre, c'est notre connard qu'on a vu là à l'entrée, là. Il avait une voix bizarre. Barney. Il a la même voix. Ok, c'est bon. Ah ouais, tu crois? Bah oui, il parle un peu comme ça. Ah ouais. Ils sont partis. Ouais, viens prendre l'air. Ta sœur a dit que t'étais assez têtu, mais elle m'a jamais dit que t'étais stupide. Eh, je vais te tabasser pour ça. Ou enfin, regarde ta gueule. Tiens, prends ta radio. On se barre. Non, Birdie. On doit trouver Birdie. Qui? Il a attiré les infectés quand ils étaient sur le point de me tomber dessus. Sans lui, j'aurais fini comme Kojak. T'es pas en état de chercher qui que ce soit. C'est qu'un gamin. J'ai promis à sa mère de le raccompagner. Compris? Il a attiré ses enfoirés tout seul, tu piges? Pour que je puisse m'emparer des cristaux du bazar. Je dois le retrouver. T'es pas en état de chercher qui que ce soit, Barney. Je rentrerai pas sans lui. Bon, qu'est-ce qu'ils ont, Il devra se trouver de l'aide tout seul. Non, allez, on est gentil, on est mignon. Mais non, mais frère, putain, on est des vrais salopes de la vie. Ouais, bah, c'est comme ça. Ils l'ont poursuivi par la porte latérale. Comme ça, on pourra les infiltrer plus facilement. Tu restes là et t'attends le signal. Je vais chercher ton ami et je reviens. Non, mais attends, les cristaux, on sauve la vie de Barney et tout. Frère, c'est pas mal déjà. Maintenant, faut trouver Kojak. Kojak, comment il s'appelle? Non, Kojak est mort. Oui, Kojak est mort. C'était le mec en bas. Faut trouver le petit. En tout cas, on a repris un peu du V, ça fait du bien. Frère indiscipliné. Bon, c'est embêtant, hein. Oh là, On est trop gentil, te dis-je, hein.
Oui, bien sûr. Du sang. On va mener l'enquête. Ça doit être Birdie. Voilà qui devrait nous mener jusqu'à lui. Le cochon policier est là. Vas-y. Alors, ça commence ici. Ok, ça finit là, c'est ça, non? Donc ça veut dire qu'il est rentré ici. Oh, j'allume la lumière si ça te dérange pas. Beaucoup. Vas-y, vas-y. Je suis sa piste. Ah, Pupu, aide-moi! Ok. Il est monté. Il est monté? Oui. Bien joué. De toute évidence, ses traces de main sont partout. Il y a un coffre ici avec beaucoup de... avec un de ferraille. Attends, c'est pas là où on avait fouillé au tout début? J'ai bien l'impression. Il est encore... Non, il est pas monté là. Non, je pense qu'il est monté sur le toit. Là, il y a une poubelle. J'en profite pour fouiller un peu. Bah, c'est ce qu'il faut faire. Fais-toi plaisir. Il est où encore, là? Ah, mais si, c'est là qu'on a fouillé, le truc du GRE qui est là. Ah, j'ai trouvé! T'es où? En haut, à l'étage. Ah bah, de toute façon... Eh, mais je crois qu'on prend trop d'avance, en fait. On est beaucoup trop chaud, hein. Hop là. Oh oui, tout trop bien passé. Bah, c'est le point. Oh, il est dans un sale état, le ref. Très sale état. T'es qui, toi? Aiden, tu peux bouger? C'est Barnet qui m'envoie. Barnet? Bien sûr. Ce bon vieux Barnet. Il s'en est sorti, pas vrai? Il a les cristaux? Ouais, il a réussi. C'est grâce à toi, gamin. Je m'en suis sorti. J'ai tué 3 infectés. T'as vu? Bon, il y en avait déjà 2 de blessés, mais... Écoute. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et... Joyeux anniversaire. Je peux te demander un service? Je t'ai ramené cette jolie clé à pipe. Tu vois, ça là-bas. Ma radio. Je dois appeler quelqu'un. Tiens. Ah putain, mais d'accord, il a ses intestins dans bien les sûr. Mains. Bien sûr. Ouais, c'est un peu hardcore. Je hein. dois juste. Bah ouais. Allô? Maman? T'es là? Maman? Nathan? C'est toi? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es où? Tout va bien, maman. On a presque fini ici avec Barnet. Barnet? Il m'a promis de veiller à ta sécurité. T'énerve pas, maman. Écoute, on les a récupérés. Les cristaux. On les a. Et j'ai tué 3 infectés. Je les ai tabassés, maman. On doit vraiment y aller. Ensuite, dégage de là et retourne te mettre à l'abri. Barnet l'a promis. Oui. Bien sûr. Je reviens bientôt, maman. Nathan ? C'est quoi ce délire ? Nathan ! Mort dans le film. Nathan ! Oh. Barnet, ça a l'air vraiment d'être un enculé. Quoi ? Non, bah regarde, bah non, il est mort. Bah, ah ouais, les tripes, ouf. T'es là? Ah ouais, je t'ai dit. Mais non, il est mort pour Barnet. Le bien de... Ouais, de la nation. Du village. Ce que je veux dire, c'est que c'est à cause de Barnet que les enfoirés, déjà, tu vois. Bah ouais, Barnet mais parce que Barnet, c'est un connard, mais je pense qu'il va payer pour ça. Mais un mec est arrivé au village, tu vois. J'espère. Quoi? Mais il était censé m'attendre. Il t'a pas fait confiance. Il a cru que tu voulais prendre les cristaux. Il m'a envoyé chercher son ami pour pouvoir s'échapper. Non, c'est un bâtard. Si, c'est complètement ça. Et lui, on le baise, hein, dès qu'on peut. Vas-y, viens. T'es derrière. Je sais pas. Après, c'est normal qu'il fasse pas confiance, en vrai. Hein. Puis bon, ouais, mais... il a je sais pas, quand t'as un ticket de métro, frérot, sur le menton, t'as forcément une tête de schneck. Donc, avec ouais, tout le respect qu'on que... a... Je rappelle que la schneck est un... est une pâtisserie, hein. Est-ce qu'il veut Ben, je sais pas, moi, j'ai couru. Est une pâtisserie, bien évidemment, donc... Oui, on adore, hein. Bien sûr, on adore les schnecks. Et ça fait toujours plaisir. Une bonne petite schneck de bon matin. Ah, bah ça. À qui le dites-vous? Eh bah, à personne, parce que personne n'est là pour m'entendre, tout le monde est mort. Mais bien sûr, mais vous allez voir qu'il y a bien quelqu'un qui va laisser un petit commentaire et qui dit qu'il aime bien les schnecks de petit matin, bien sûr. Bien sûr. Petite schneck matinale. Exactement.
T'es où, Sophie, par contre? Bah, en fait, j'étais en train de poursuivre un esquiveur, mais il m'a échappé. Je suis en train de niquer mon couperet pour des petites chiennes de zombies éclatées. Et j'ai toujours pas trouvé comment on prépare. Voilà. Monsieur B-Boy, est-ce que vous pouvez voir une roulade incroyable? Regardez derrière vous. Bonjour. c'était une belle entrée, c'était une belle entrée. J'aurais dû mettre la musique de Batman en fond. Bon, Sophie, qu'est-ce qui se passe? Déjà, elle a fermé la porte, ça sent pas bon. Elle dort. C'est pendant que nous on se fait chier. Entre nous à présent, pas vrai? Ça dépend, non? Véronica, c'était un connard. Les pacificateurs nous lâchaient pas d'une semelle quand il était leur commandant. La conclusion est relativement facile à tracer. Lucas n'est plus là, donc les choses vont mieux pour nous. Amen. Ce serait mieux si tu la fermais, Barney. Où est Sophie? Encore toi? Qu'est-ce que tu fais? M'espionne? Mais il fait exprès, ce connard? J'ai envie de l'enculer. T'étais censé m'attendre. Censé? Les plans ont changé, abruti. Tu craignais que je veuille tes cristaux, hein? Te craindre? Toi? Quelle plaisanterie. Il a vraiment une tête de merde. On doit veiller à nos propres intérêts, pèlerin. Et ils te concernent pas. Deux de vos hommes sont morts. Pour vos intérêts. Vous avez utilisé Bertie pour me distraire, c'est bien ça? Tu sais rien de moi et des miens, abruti. Bertie était comme un frère pour moi. J'ignore pourquoi ma sœur veut te voir. Alors va l'emmerder. Oh, il parle mal. Oh, lui, dès qu'on peut l'abandonner, gros. Je suis désolé. Dès qu'on peut le tuer, surtout. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour cet épisode 8 et on se retrouve très vite, tout de suite, pour l'épisode 9. J'ai un regain de motivation avec notre petite avancée. Bisous tout le monde, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. How super! À tout de suite.